Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez nous rappeler votre nom? Mon nom c'est Fadiga Baratine. Ok, il y a eu un incendie ici hier. On nous dit que vous êtes l'un des secours et un des témoins oculaires. Dites-nous tout ce que vous avez vécu ici. D'accord. Bien merci. C'était hier aux environs de 1h20. Quand le propriétaire de la maison, mon grand frère, M. Touré, m'a appelé au téléphone en me disant. Je n'ai pas dit, viens, il y a le feu dans ma maison. Si tu ne viens pas, je vais mourir avec mes enfants. C'est entre-temps que moi je suis sorti en courant. J'ai appelé mon voisin qui est à côté, avec qui je partage le même coup. On n'avait pas quelque chose. J'ai pris mon insecteur dans la voiture, mais c'était petit, on ne pouvait pas casser la main. C'est entre-temps qu'on a pris les hanches et les marteaux. On a essayé de sauver d'abord M. Touré, sa femme et son enfant, qui est en train de quitter. Une fois sauvé, M. Touré a crié qu'il a ses enfants dans notre chambre. Alors, voulant sauver ça, j'ai fait appel aussi à d'autres voisins, j'ai tapé partout, tout le monde est sorti. On a tapé, on a essayé de casser la seconde fenêtre. Moi, je suis rentré dedans, j'ai pu sauver un enfant quand même. L'enfant est sorti, il est à l'hôpital, Dieu merci, il va bien. C'est la seule personne qu'on a pu sauver. Il y avait 14 personnes dans la maison, on n'a pu sauver que 4, mais les 10 sont partis. L'appel qui vous a appelé était un appel téléphonique ou bien... Oui, M. Touré m'a appelé par mon téléphone. Il m'a appelé en criant, il me dit « Fadiga, viens, si tu ne viens pas, tous mes enfants et moi vont mourir ». Donc j'ai été la première personne à être là. Donc quand je suis venu, moi aussi, parce que je suis sûr que je ne peux pas, j'ai fait appel aux voisins, à tout le monde, et tout le monde était là. Hein. Tout le monde est sorti, tout le monde est sorti, chacun a fait son mieux. Et il y avait même un petit qui voulait rester dedans, qui a pris le courage d'attacher son nez, rentrer. Il a été actifié même. Donc, si ce n'était pas les autres aussi qui le tiraient, il allait rester dedans. Donc, je salue son courage. Il voulait sauver les enfants, mais hélas, les enfants étaient dans la douche et. Est-ce que vous connaissez ce qui est à l'origine de cet incendie? Bon, en fait, ça, je peux dire que c'est un peu de surprise. C'est un peu de surprise parce que la lumière était partie. La lumière est partie revenir. Parce que moi, je suis resté au salon jusqu'aux environs de 0h moins. Donc, et c'est 1h. Donc, il y avait eu un décalage de courant. Donc, certainement, c'est à l'origine de. C'est le courant. On peut estimer un peu l'âge du père de famille? Oui, le père de famille, c'est mon grand-père. Peut-être il a ses 45 ans comme ça. Hein. C'est le grand-père de famille et c'est le quatrième membre même de notre famille. Ok, ceux qui ont rendu l'âme, est-ce qu'ils sont tous de la même famille ou bien? Non, ceux qui ont rendu l'âme, ils ne sont pas tous de la même famille. Ils ne sont pas de même père, mais ils sont tous de la même famille. Ils ne sont pas de même père ni de même mère. Il y a seulement deux personnes qui sont de même père et de même mère. Et les autres, c'est les enfants de ses frères et l'enfant d'un voisin aussi. Un locataire qui est chez lui. Voilà, un locataire qui est chez lui. Ok, l'enfant qui est à l'hôpital, est-ce que vous avez des nouvelles ce matin? Oui, j'ai été à l'hôpital vers 4h du matin. J'étais même déshabillé parce que moi, je me suis habillé récemment. Même déshabillé, je suis parti à l'hôpital déshabillé, mais l'enfant va très bien et il est sous les soins. Le père de famille est là-bas. Vous connaissez votre nom? Mon nom c'est Fadiga Bahati. Je suis le troisième secteur. Vous avez un appel là-bas? Oui, l'appel que je vais lancer, c'est d'abord le problème c'est le courant. Le courant tue aujourd'hui beaucoup de personnes. Vous le savez comme nous. Il faut stabiliser. Mais je demande à l'autorité guinéenne d'aider M. Touré aujourd'hui. Parce que je vous le jure, M. Touré, il n'a rien n'est sorti dans sa maison. Rien. Le complet qu'il porte, on lui a donné. Rien n'est sorti. Vous savez, vers 2h, 3h, quand quelqu'un se couche, rien n'est sorti. Rien, tout est parti en premier. C'est aider M. Touré. Surtout, je demande au colonel, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est là. Le général, hein, voilà, général de corps, Mamadi Doumbouya, je lui demande de venir en aide, lui et son gouvernement. D'aider aujourd'hui M. Touré, car aujourd'hui, il est sans abri, disons comme ça. Il a tout perdu. Tout est parti. Merci beaucoup.